je comprends pas trop, mais bon, c'est pas très grave. Je suis pas en galère du tout. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog. Donc je suis toute seule parce qu'on est mercredi. Et du coup, on va déjà distribuer les carottes à tout le monde. Et je vais prendre Diffy. Il faut que je lui coupe ses pieds. Enfin, que. que je lui coupe ses pieds. Non, que je la pars. Donc voilà, vous allez voir avec moi. Je vais faire. Oula, oula, oula. Je vais faire que le devant déjà. Parce que le derrière, bah déjà. Oula là, je vais me casser la gueule. Déjà, le derrière, c'est un peu compliqué à faire. C'est compliqué et de toute façon, je vais avoir le dos en compote après lui avoir fait ceux de devant. Et ceux derrière, je crois qu'ils sont bien. Il me semble qu'ils sont pas trop mal. Donc, bref, voilà, je vous emmène avec moi. Je distribue les carottes et je vous retrouve juste après avec Ify. Faut juste que je trouve le bouton d'arrêt. Première mission réussie. Tout le monde est là et la Ify, elle s'en va au poste de pansage toute seule. Je les fais passer en dessous du fil parce que il n'y a pas de poignée sur ce passage là. Attendez, je descends. Donc je disais, je les fais passer en dessous du fil. Elle a pas eu peur, ça va. Elle a été super gentille. Tout le monde a eu sa carotte. Il y a sa longe qui tombe. Attends, moi, non, mets pas ta longe dans la merde, s'il te plaît. Ify. C'est toujours un délire. Viens. On va aller essayer de se mettre au garage. Je rejoins après. Étape numéro 2. Bon, je l'ai fait passer là. Elle a pas eu du tout peur. Je vais l'attacher. Je vais faire direct ses pieds. Et je sais pas trop si je la brosserai après. Viens là, Ify. Allez, viens là. Voilà. Allez, on va faire les petits pieds. Bon, alors je m'équipe. Je mets des gants parce que je suis phobique du sang. Donc on va éviter de se râper les doigts. En plus, il fait moins 8000. Ify qui veut participer. Et du coup, je l'ai pas attaché. Alors attendez. J'ai pas attaché Ify. Enfin, si, j'ai juste fait deux tournicotis. On voit rien du tout. J'ai juste fait deux tournicotis autour de la masse du tracteur. Parce qu'elle tire des faux renards et du coup j'ai pas envie qu'elle meure. Et que du coup je puisse la détacher vite et que même là si elle tire ça se déroule tout seul. Et bah voilà, on est parti. Ok. Attends, tu transpires. Je vais commencer par couper avec une pince. Alors je coupe pas autant qu'un maréchal forcément puisque j'ai un peu peur de couper ce qu'il faut pas. Donc mais je coupe quand même. Parce qu'il faut bien couper et... On va pas appeler le maréchal, c'était de beau. Tu t'aides ? Et du coup, on met son pied sur un truc. J'ai les deux mains libres. Non, tu bouges pas. Tu bouges pas. Voilà, quand hyper dur. Gaston, sors de ce corps. Oh, mais t'as la corde hyper dure. Hein. Non, non, non. Yeah. Non. T'as la corde super dure. J'adore. Bon bref, du coup je vais couper. Je vous retrouve après une fois que c'est un peu limé, un peu coupé, etc. Bon voilà, j'ai fait le premier pied. J'ai extrêmement chaud. Non, ici arrête de bouger, je vais te montrer tes pieds. Donc celui-là c'est celui qui est fait, ça se voit. Et l'autre ce qui est pas fait. Alors ça, on dirait que j'ai pas raccourci. Alors que vraiment, regardez tout ce que j'ai enlevé. Voilà, j'ai celui-là à faire et celui-là qui est fait. On voit bien la différence quand même, je trouve. Bon, j'aurais un poney un peu plus sage. Ce serait mieux pour vous montrer. Voilà, c'est bien. Tu bouges plus. Ify, non. Bref, voilà, elle se sentira déjà mieux. Et il y a aussi Stéphanie qui m'a dit que je devais vous montrer celui-là qui repart en fait. Il repart vers l'extérieur. Donc celui-là, je ne vais pas y toucher parce que je ne vais pas faire des conneries. Elle lèche le quad. J'en peux plus. Bon, bref, du coup, je vais faire le deuxième.
Et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini. Je suis plus... Je pense que je préfère faire les pieds gauches. Vu que je suis droitière, c'est peut-être ça. On va lui donner des petits bonbons. Ça, c'est la boîte à bonbons. Voilà, elle est déjà là. Tiens, c'est bien. Peut-être essayer de faire un peu de travail à pied, parce qu'elle m'a l'air pas sale du tout. Donc c'est très cool, on va pas la brosser, on va aller faire un mini peu de travail à pied. Attention mon chat. C'est pas très bien. Je sais pas si vous avez vu grand chose. On a fait un peu les hanches, les épaules. Tiens, Ify. Elle veut pas de bonbons. Ify. Voilà, allez. On rentre à la baraque. Voilà, avec le deuxième pouce, enfin le jackpot, il a pas son licol parce qu'il est en bas au box. Donc voilà, il est aussi passé en dessous le fil. Je suis trop contente. Première sortie tout seul pour lui, je crois. Les chats qui font le bazar. Je sais plus trop parler. On va juste faire un pansage et travailler un petit peu à pied. Et voilà, c'est tout. Je sais pas si c'est très bien filmé parce que le poney il m'emmène partout. Non, tu me mords pas, recule. Oui, super. C'est bien. On va montrer aux abonnés comment tu donnes bien les pieds. Non. Oui, bravo. Voilà, bon, ça met une seconde parce qu'ils sont tellement petits. C'est bien. On va faire les trois autres. Tu donnes ? Bravo, super. Celui-là. Super. Celui-là. Allez, donne. Oui.
C'est une mission réussie avec un poney pas propre du tout parce que j'ai pas fait les crins ni rien. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu les progrès. Enfin, on n'a pas fait grand chose en fait, c'est juste de l'amour et de la persévérance. Et voilà, en une fois, de toute façon, c'était bon les pieds. Un punch. Alors des fois, il a tendance d'avoir encore le tic de mordre quand on lui prend les pieds, comme vous avez vu tout à l'heure. Ben, on essaye de lui enlever petit à petit. C'est pareil, taper quand on prenait ce derrière, ben, il le fait plus. Il tape encore un peu. Alors il tape, on sait pas pourquoi. Ça commence à s'enlever un peu parce qu'avant c'était vraiment pour tout et rien. Quand on allait à son cul, quand on se touchait son ventre, etc. Il lançait les postérieurs. Bon après ça va, il est petit donc ça faisait pas trop de mal. Mais du coup, on essaie d'enlever ce tic. On sait pas trop pourquoi c'est là. Bon, voilà, il se gratte toujours. Je pense qu'il a un peu de dermite. Mais c'est pas violent parce qu'il y a même ses crins au-dessus là qu'on avait tout coupé. Qui étaient vraiment moches. Qui repoussent de ouf. Ils font 10 cm. Alors que bah au mois d'août, ils étaient tout petits, tout petits. Et bref, du coup, voilà. Maintenant, on commence un peu à travailler plus. Bref, vous allez voir. Mais... Ah non, on va pas voir. Il est vraiment trop mignon. Bref, voilà, je vous retrouve après pour travailler. Il transporte le tapis, mais c'est juste... Comme ça, c'est le tapis de Lily. Oh, là, et jackpot, ça. Oh, bah oui. Hein, le tapis. Dans un sens, dans l'autre. Oui, bravo. Oui, bien. Mettre sur le cucu. Voilà. Oh là. Normal. Normal, ce qui est trop. Recule. Allez, jackpot. Allez, concentre-toi. C'est beaucoup plus concentré quand il y a des fins qui disent, mais on ne veut plus. Allez, recule. Oui, super. Recule. Jackpot, s'il te plaît. Recule. Oui, très bien. Bah alors, on va enlever le tapis. Oh. Recule. Allez, recule. Oui, bravo. Et Paul, oui! Et Paul, oui! Ne bouge pas. Oh, non, jackpot, non. Et non, tu bouges pas. Non. Non. Oui, non. Non. Bien. Oui, bravo. Déplace. Allez, le cucu aussi. Oui, bien. Déplace. Allez, pour le bas. Voilà, je vais continuer un petit peu. Non, vraiment, je vais continuer un peu en hors caméra parce que vous avez vu bien assez, je pense. Voilà, non, tu manges pas la. Tu manges pas la boîte. Me revoilà avec un changement de poney. Je suis avec Illico. On n'a pas du tout envie de travailler, mais qui a juste envie de manger. Oui, c'est bien. Voilà. Il y aura un peu de recul.
pareil, vous avez mis un peu de coups. Voilà, j'ai fini avec Illico. Il est juste là. Nous rentrons. Nous allons attendre Stéphanie parce que elle vient, enfin elle arrive quoi. Il est mou, Illico, c'est horrible. Enfin bref, voilà, je vais vous poser juste là. Juste là. Et je vais aller poser Illico, je vais aller ranger toutes mes affaires. Puis je rentre, attendre Steph et voir ce qu'on fait. J'aimerais bien faire un petit tour avec Lily. Ça fait très longtemps, mais bref, on verra. C'est un peu de la merde ce trépied. Je peux pas dire. Je peux pas critiquer Steph, mais c'est un peu de la merde. Voilà. Hop, je remonte Illico. Le chat qui m'attaque. Tout le monde est bien au prêt. Bah, vous avez dû voir Jackpot qui me coursait là, il m'énerve. En fait j'ai un peu peur de lui. Quand je donne des bonbons ou des carottes ou quoi, je suis en train d'essayer de remettre le trépied. Ouah, vous avez failli décéder. Vous avez failli mourir. Bref, du coup j'ai un peu peur de Jackpot. Quand il fait ça, parce que je me dis qu'il peut taper ou mordre à tout moment. Et qu'un si petit machin, ça va très très vite à taper. Mais bref, du coup, il a pas tapé, ça c'est cool. Il a chassé un peu les ânes, mais ça c'est pas très très grave. Parce que c'est la loi du troupeau, ils ont quand même eu leurs bonbons, vous inquiétez pas. Ils ont quand même à manger, ils ont quand même leurs carottes, etc. Je vais ranger les affaires et après, je vais attendre Steph en mangeant un petit truc parce que j'ai faim. Je vous retrouve après avec Stéphanie Mougel. J'entends l'avion mais je le vois pas. C'est parce qu'il sait que je l'aime. Voilà, c'est bon. J'ai la flemme. Ah oui, je... Qu'est-ce que t'as, toi? Oh, t'es beau comme un cœur. T'es beau comme tout. Oui, t'es beau. Mamie, allez-y, mamie, mamie, fille. Allez, ma Lily, petit test. Elle lève la tête aussi. Bah oui. Allez ma Lily, fais comme la Ifi. Non Jackie. Attends, je vais venir t'aider. Ce que je vais faire, moi je vais tenir le fil. Ouais mais Jackpot. Non, je vais plutôt tenir Jackpot. Allez viens. Allez vas-y. Et Lily t'es en dessous là. Attends, viens voir si je le tiens le fil. Jackpot il a pas l'air de bouger. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Non, Jackpot, tu n'y vas pas. Oh. Oui, voilà. Ify, elle s'est déjà barrée devant la maison. Nous avons un échappé. Je vais le remettre ou je vais mettre une... Ça marche. Mais... Non, non, tu restes là. Ah oui, non, on t'a dit de pas passer, toi. Hein. Non, non, Lily. Oui, mange au pire, si tu veux, oui. Voilà. Ellie Belle, non, arrête. Oh. Elle fait tomber le pot de fleurs. Lily, elle mange la ciboulette. Bah oui, il est tombé, forcément. Regardez, j'avais perdu mon cure-pied. Et en fait, je viens de le retrouver. Au pied de la tâche, parce qu'en fait, il devait être planqué sous la neige. Je pense qu'il a été enseveli et il est réapparu. Magnifique. Ouais, du coup, par contre, il est un petit peu pourri. Hein. C'est un peu pourri, ça, ma chichi.
C'est un peu pourri ça, ma chichi. Oui. C'est beau. Qu'est-ce que t'as vu? Ifi. Allez. Notez ce moment de folie. Clarisse décide de lâcher sa jument. Non mais... Au revoir, ma Lily. Ifi, elle est deg. T'as pas peur qu'elle rejoigne, elle remonte là-haut? On a retrouvé Lily, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange. Bon, j'essaye de lâcher Ifi, voir si elle veut aller galoper. Voilà. Ifi. Ah, ça y est. Un petit peu. Pas trop, elle fait comme Lily en fait. Donc voilà, la vidéo est terminée. Nous, on s'en va faire notre petite... balade, enfin Lily s'en va, ça va bien. Ah Lily, attends, attends. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.